principe, et nous capables ouvrir son espérance avec nous dans le numéro 134, hein, ce chant d'espérance français à la gloire de Dieu. On va chanter cantique ça avec gaieté pour la gloire de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre. En toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est une droite périlleuse. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, sa voix est tout imaginée, endurer les jours même, du monde est tout méprisé. Au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui. Perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'a voix qu'une seule envie, et mes Jésus seul bien. J'y donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas avec lui loyer victoire paix et pour les pas. Au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, vous, mourir. À toi, Jésus, pour toujours. À toi pour mourir, à toi pour mourir, à toi j'y pour toujours. C'est le super en Jésus-Christ. Papa, nous qui sommes dans le ciel là. Seigneur, nous bénissons, nous glorifions, nous saluons, nous témoignons grandeur comme grand, comme fidèle. Vous êtes Dieu d'Abraham,
ou c'est Dieu Bizarak, ou c'est Dieu qui va jambé du bataille. Seigneur, nous disons merci, nous faisons partie de journée en bien sous protection divine. En pile, va y venir, nous t'a fait durant la journée. Ou pas quitter aucun mal, accident passé de côté. Seigneur, nous glorifions, nous salmodions. Nous pas de langage, nous pas de mots. Pour trouver reconnaissance pour avec nous-mêmes, à soi-là. Pour que vous sortiez avec nous. Pour que vous mettez nous. Nous disons merci. Seigneur, nous couvrez bien par devant pour nous. À soi-là. Nous demandons pardon pour péché, à iniquité et désobéissance pour nous. Pour tout ça qui nous fait si mal. Car nous reconnaissons nous pas bon. Nous reconnaissons nous pas dignes, nous reconnaissons nous pas fidèles. Mais risque ça, on peut couler pour laver péché nous, pour purifier nous, et ça fait Seigneur à soi-là. On pouvait mieux voir devant tout le monde, pour nous demander au Père. Seigneur, dis-toi, sois saint, de l'amour. Mais Seigneur, dis-toi, sois saint, enseignement par nous, Seigneur, dis-toi, sois saint, pour faire à soi-là, par évangéliste divin. Seigneur, dis-toi, sois saint, de l'amour. Serviteur, Seigneur, débattez-lui la tête aux pieds. Remplis-lui affection. Remplis-lui à puissance. Homme, Seigneur, qu'on habitue, remplis-lui. Pour bénir tes pouvoirs. Pour enseigner tes pouvoirs. C'est toi, force. Mande au Seigneur, débattez-lui de la chair et le sang. Déploguez-le sous courant de la chair. Déploguez-le sous courant de cet esprit. Afin que le Seigneur tout ça l'a dit, l'enseigner ça, il va sortir directement la caille. Et nous-mêmes, Seigneur, comme auditeurs, auditeurs, Seigneur, attendez des paroles ça. On va sortir édifié la parole ça. Seigneur, bénis-lui. Bénis chaque auditeur, auditrice, qui dit quand, Seigneur, disposé et disponible pour tendre enseignement ça. Seigneur, bénis-nous. Quel que soit côté où la caillou, la travaillou, quel que soit côté où il est, bénis-le. Et vos oreilles attentives pour le temps des paroles, ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous disons merci. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des gens qui sont bons, des gens qui méritent. Et nous prions au nom de ton fils Jésus, à lui seul la gloire, l'honneur, l'honneur, la puissance dans tous les cieux et des cieux. Amen. Amen. Frère Maxime Yo, on salue nous dans le nom de Jésus-Christ qui est le pouvoir. Je dis à ce 9 avril 2021. Et nous avons le troisième jour, si nous venons. Et nous avons intervenu dans nous à Souria, si évangéliste du Val. Qui prend le petit, le grand thème, qui dit, sociologie, qui, entre parenthèses, c'est la communication, grand primo, quoi qu'a dit non tout, pour pas rater un lien dans ce lien ça. Pendant ce temps, vous avez reçu un link, ça, sous téléphone, soit sur écran télévision, soit sous laptop, et publier l'écran avec un servante, avec un frère, avec un ami. Nous venons tendre la parole de Dieu qui est esprit et vie à soi. Et nous, qu'on a ce temps pour nous disposer et disponible pour nous tendre enseignement de la parole de Dieu avec évangéliste Duval. Évangéliste Duval, bon Dieu de nous. Vas-y, Duval, bon Dieu béni. Bon Dieu béni nous. Oui. Je salue tout frère avec ce moyen. Et dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et je remercie que Daniel après une telle présentation de ce genre. Nous constatons depuis janvier,
nous avons des séminaires que nous mettons sous pied à travers les disciples. Il y a des gens qui ont posé des questions. Est-ce que staff, dirigeant, groupe disciple là, il faut une enquête? Je ne crois pas. Parce que la Bible dit moins, dans Matthieu 7, verset 1 à 2, il dit Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Et bien, ces deux voies-là, c'est une obligation pour nous. C'est un comité de disciples-là pour nous passer pour vous, pour nous capables de former vous. Parce que la Bible dit nous, peuple-là, a une faute de connaissance. C'est le sens ça, il fait jeudi à là, dans Maravilla, nous commençons avec deuxième série et de formation nous pendant l'année 2021. Jeudi, c'est vendredi 9 avril 2021, quatrième jour dans le séminaire. Peut-être que lundi et jeudi, Pasteur Ounéa Antoine est parlé de l'histoire de l'Église. On connaît tout le monde qui a une histoire, ça veut dire que tout le monde qui a un passé. Eh bien, de même que l'Église a un passé là-dedans. C'est à partir de là qui permet que l'intervenant, en l'occurrence Pasteur Ounéa Antoine, est disposé, tandis qu'il a fait des recherches, pour a parlé nous de sacrilé et de théologie, et en dernier, qui est l'étude de l'Église, qui est parlé de l'histoire de l'Église. Mardi soir, Pasteur Jean-Alphonse Duclair, lui-même, était parlé de sotérologie. C'est comme si nous avons dit, nous, étant les chrétiens, nous avons sauvé, mais nous ne connaissons pas quel moyen que nous avons sauvé. Parce que nous ne connaissons pas tout le plan. C'est-à-dire qu'on plan que et Jésus-Christ est préparé. Même Jean nous dit que Sani est versé et sur le bois du calvaire pour te préparer ça que les saluts. Pour te préparer la rédemption des affaires, nous te voyons Pasteur Jean Alphonse. Il était parlé nous de la grâce. Et il se fait différence pour nous entre deux grâces. La grâce qui sauve et la grâce commune. Et voilà. Nous avons une opportunité à travers le canal pour aller parler de sacrée sociologie. Sociologie, nous ne pouvons pas parler la dernière en long et en large. La Dieu a emprunté trois mots là-dedans, qui est la communication, qui joue un rôle important dans la vie du chrétien, et la communion fraternelle, pour nous condamner pour nous vivre ensemble, et conflit d'intérêts. C'est ce qui a passé, ce qui a crasé l'Église, la société et la famille, ce sont des conflits. Et c'est dans ce sens-là qui fait nous-mêmes, nous prenons trois mots à eux, nous prêtons trois mots à eux en dans sociologie. Lorsque nous parlons de sociologie, nous sommes société. Nous sommes social. Depuis que l'année dernière, il y a une distance sociale. Il y a une séparation sociale. C'est les recherches que nous avons fait. Année ça, je dis depuis l'année dernière, pendant le corona, c'est pour la première fois que nous avons voyagé comme ça. Ça veut dire que nous sommes soit à louer la famille, nous sommes soit aller et les amis, aller passer un petit temps ailleurs, le sacré social là. Maintenant, nous sommes chrétiens, nous sommes obligés et sociaux. Nous supposons rentrer dans les relations. Voyager, ok, aller d'un petit côté, ou stress, pas pour nous aller. Lorsque nous rentrons dans la définition de sociologie, nous avons fait une science humaine qui est objet des phénomènes sociaux.
Et nous constatons chez celui-ci des conseils de réseaux sociaux qui ont valé tiré. Et ça fait nous faire la tomber comme ça. Mais but, c'est en ça que y aurait des sociologies qui étudient toute forme de développement, toute forme d'évolution entre les hommes, entre nous-mêmes étant l'homme. Et l'histoire est tout, tout facteur d'influence sur cohabitation. Ils appellent M. Odou, la sociologie, c'est la science humaine qui a pour objet les phénomènes sociaux. Elle étudie les formes, les développements et les évolutions de la cohabitation des hommes, ainsi que les facteurs qui ont une influence sur cette cohabitation. Mais puisque nous connaissons que mon français, la langue française, est dérivée, est tirée de latin, et à partir de là, on voit loin, étymologiquement ça, en latin, il veut dire socius, compagnon et associé. Le compagnon, c'est mon ça que Daniel a dit, que colonne débat. Ça se compte, ça se compagnon moins. Associé moins. Un partenaire lié. Et mon grec là, qui va jouer le logos, qui va jouer le discours là de lui, et parole. C'est-à-dire que, ou en même sociologie, il commence à voyer moi, chita, dans le sujet de débat là. Il parle de compagnon, il parle de associé. Il dit que compagnon et associé, il y a une relation entre ces deux, Moussa. Il parle de discours ou bien parole. L'homme rentre dans le sujet, que nous allons parler à cela, c'est la communication. Même communication, ça, pendant qu'il a de temps que moi réservé pour me parler de l'IA, il va passer. Voici la posée mon série de questions. Et je crois que à ce là, moi gagne deux types de monde qui sont les oies là. Moi gagne chrétien et moi gagne humain. Là, moi gagne humain, moi gagne chrétien. Ça veut dire que l'école théologie ou bien la formation théologie, ou qu'à poser des questions sans que vous retirez étiquette chrétien sur vous-même. Parce que d'après nous, l'école théologie, il y a toutes sortes de monde qui viennent là-dedans. Pendant que je passe un état pour un diplôme, on a conseillé de monde en dedans. Nous devons même le mougon, le maçon, les femmes de monde. L'entrée dans l'évangile, comme bagage à eux, c'est après, pour monsieur Abdini, qui ça, l'école théologie, pas seulement chrétien, mais là-dedans, le chargé de bagage à même tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, qu'à poser n'importe quelle question sur ça, c'est les communications. Hein. Communication, ça, sujet par que nous débattons là. Comment monsieur définit communication? N'est-ce pas défini communication? Je dis moins, c'est l'action de communiquer, de transmettre des messages, de transmettre des informations et de transmettre des connaissances à quelqu'un. Disons, avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est un système, c'est un moyen pour moi-même avec rentrer en contact. C'est un moyen que le monde entier rentre en contact. La communication. Ok? Le mot bébé. Nous voyons que les monsieur a parlé dans la télévision, il y a des gens qui ont fait des gestes, c'est pour bébé ou bien pour les gens qui ont fait. C'est ça qu'elle nous dit, la communication, c'est l'action de communiquer, de transmettre des messages, des informations ou des connaissances
quelqu'un. Parce que nous-mêmes, étant chrétiens, nous connaissons que nous avons un message. Bon Dieu, bah, nous, pour nous voter aller. C'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous voyons qu'il est important communication ça a gagné pour nous. Communication ça, nous sommes capables de dire où c'est base de toute relation. Pas bien un monde qui est capable de dire moi que le cas bien avec le monde, ni madame ni mouché, ni frère, ni soeur, ni l'autre courtisé ou fille, c'est à travers de la parole. D'accord, la Bible nous, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Il dit que nous voyons que communication, hein, c'est la base de toute relation. Et pendant que là, là, nous arrêtons de nous poser n'importe quelle question. Parce qu'il y en a entré dans ce sujet. Là, et moi, capable de communication ça. Moi, ça, sujet ça. Il fait un pile de couler. Dans le temps, monsieur. Anthropologue, psychologue, sociologue, chrétien, pasteur, avocat, ok, juge, en plus de couler dans mon communication ça. Non, communication ça, ou bien dans le dialogue ça, de parler de communication, ou est parler, ou est dialogue, ok, ou est converser. Ou est raconter, ou est dire, ou est informer, mais verbe là c'est communiquer. Vous voyez? Les gens de la communiquer avant, c'est dialoguer. Les gens de la communiquer avant, la parler avec vous. Les gens de la pensée pour nos conversations, nos communications, des conversations, c'est parler, c'est raconter, c'est dire, c'est informer. Tout ça, c'est un package de communication liée. Et nous devons comprendre que étymologie mot a toujours en latin, il dit où? Communicare. Il dit toujours mettre en commun. Faire part d'eux. Partager. Et le bon mot qui dérivé de communiste, il veut dire commun. Et nous-mêmes, nous connaissons, nous avons des bagages communs entre nous-mêmes et les chrétiens. Nous avons des bagages communs entre nous-mêmes. C'est la vie éternelle là. C'est la mort de Jésus-Christ. C'est pour nous tous liés. Nous avons des bagages communs liés. Là, il y a des bagages qui ont fait pas ça. Ok? Nous descendons toujours. Nous parlons de communication toujours. Nous avons aussi base de tout. Relation. Mais il y a trois mots qui sont très importants dans la communication. C'est émetteur, moun kap pale ya. Récepteur, moun kap tande ya. Et message là, parole kap pale ya. Vous allez bien samedi. Il y a trois mots dans la communication qui sont très importants. Sur trois mots, ça y est, pas de communication. Là, m'a parlé, nous serions émetteurs. Ou même capteurs, nous serions récepteurs. Ça m'a dit, son message, son connaissance, c'est une information, c'est une formation. Je m'a fait passer. Là, je nous dis, parfois, ou émetteur, parfois, ou récepteur. Si vous n'y a ou les témoins pour poser mon question. Frère, avec ce qui a posé une question, ils seront émetteurs. Nous-mêmes, qui attendons pour nous voir réponse là, nous serons récepteurs. On a passé. Tous les deux, qu'a fait compte. Tous deux mots sérieux, ou bien tous les trois mots sérieux, c'est un petit scandale entre nous-mêmes. Pourquoi mal dit parole là, frère Duval fâché. Ou mal tendé, frère Winne fâché. Donc on est tous deux café quoi? Nous avons mal interprété sa soeur
Myriam dit non. Et puis l'ennemi a ce Myriam Kwataola. Seul avec ta mal bonne information, ni qu'a mal expliqué moi. Il faut un pédagogue. Parce que moi, c'est beaucoup sur l'école liée. Il faut un pédagogue. Il n'y a pas qu'à expliquer le bagage à bien. Et même faire quoi avec elle. Mais comment dit nous ça? Il y a émetteur, il y a récepteur, il y a message. Mais tous deux mots ça y'a qu'à faire compte. Si vous m'entendez, on va faire compte. Comme si vous entendez, Frère Daniel Jim, c'est la fête de l'homme. Pas pour vous Jim, non. Bon, je suis là avec elle. Vous voulez vous Frère Daniel, pour vous dire, je ne connais pas ce qu'il y a. Vous m'entendez, faire compte. Ok, c'est ce que nous disons au côté de la communication est extrêmement dangereuse. Ah, ou la communication qui est à la base de toute relation est extrêmement dangereuse. Et ce n'est pas monsieur et sociologue ou bien anthropologue ou bien psychologue qui dit ça, non. C'est la Bible qui dit ça. Dans Jacques 1er, verset 19, et nous sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pendant mal temps de Frère Daniel, nous faisons colère pour mourir à cela là. Nous jurer, nous finir à Frère Daniel. Mal temps de, ou bien mal interprété, ça a été dit maintenant. Et c'est pas ça, non? Qui a des dîmes pour diable. C'est moi mal entendu, moi mal interprété, il me fait colère. Et ça fait la Bible, dis-moi, Jacques, dis-moi, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Tandis que frère, sur bien-aimé, là, on va parler avec quel que soit mon, ne vous pas comprendre, ou vous mal entendez, ou qu'à poser des questions. Dis moun nan reprenne ni pou. Et si son moun ki vin di ou, le sa frè Duval, di, moun sa de doit retirer, li ka mette. Et je crois ça lié vrai. Et puis yo, et d'après ou les quatre évangiles yo, ou après chaque raconter Jésus, yo présenter Jésus yon façon. Ou après un côté maturité accent grave, ou après un côté jamais et à la ligne, mais c'est toujours la même chose. Il y a une petite déformation légèrement. De nous-mêmes, nous déformer ça fait du Val de Dia juste pour nous faire discussion. Et ça fait nous dire ça. Avant de faire quoi là, les robins disent, relais pour vous équiper pour du monde, nous allons. C'est pas dit yo, nous avons des frères où on est digne, frère Duval. Je suis digne. Et ça, chrétien n'a pas lu qu'on y a. Parce que moi, frère Kouala, même si on connaît tout le monde sur le doigt, mais n'a pas abordé sur le plan spirituel. Nous arrêtons, nous posons n'importe quelle question, parce que ma il est passé, ok, il est 8h29, nous connaissons que nous sommes sur le réseau, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Radio A. Ok, sous baguette saisi, ça m'a dit qu'il y a des possibilités pour retenir encore, parce que tant qu'on nous dit, vous écoutez Radio d'ici. On va passer. Qu'il y a nous pas montré? Non, les différents types de communication. Ah oui. Avec le temps, avec tant qu'on évolue, nous constater ou bien nous garder. Technologie a valé terrain. C'est ça qui fait gagner un paquet de systèmes qui permettent le monde entier d'entrer en contact avec la vie de Christo. Cela veut dire qu'à l'aide de communication, le monde entier résumé d'un coup le type lavé. Ça veut dire que n'importe qui bagage pour discerner Yam. Qu'on y a là, la question pour être dit ça, il y a un coup, non seconde, à travers le téléphone, il y a un amène là. Non seconde, on peut quand même dormir même. Il
Je vais t'envoyer dire ça dans le pays. C'est ça fait d'où? C'est ça fait d'où? Le monde entier résumé dans le menu à travers la communication. La communication, la bonne. Il y a Messenger, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a email, il y a WhatsApp, il y a Facebook. On a tout ça dans et YouTube, il y a tout. Et groupe de site, il y a tout ça. Quand il y a Zoom, il y a Valérie qui est là. Il était là déjà, oui. Mais à cause de Corona, pour respecter la distance sociale là, il y a tout le monde qui Zoom dans le téléphone. Il y a YouTube, et après, il y a des sites très fréquents sur YouTube. Toutes les émissions, soit sur YouTube, ou à Gwenyo, ou à Tende encore, ok? Mais vous marquez groupe de sites TV, ou à Gwenyo dans YouTube. Des téléphones. Ah, il y a un peu de téléphone dans le là. Avant le téléphone, et Obama, il y a un téléphone, un smartphone qui est là. On va prendre téléphone jusqu'à 1200-1300 dollars. Il y a téléphone dans taille, il y a radio, radiodisciple.com, la voix directe de l'évangile, il y a télévision, il y a fax, il y a messages, il y a réseaux sociaux, il y a web, il y a un website, la web est un groupe disciple, de vous marquer groupedisciple.com. On voit toute information que on a besoin. Et il y a dit ça tout, même radio là, il dit semaine prochaine, radio d'ici pour le travail, 7 sur 7, 24 sur 24, avec quoi émission par nous. Ok? Des vidéos, des photos, des bouches, et ça, les radios du là, les moments qui passent pour nous là. L'une dit l'autre, il est engagé. Des yeux, de vous garder au monde seulement. Vous pouvez dire où tu vois le monde, ça t'a fait tel bagage. Il y a le flyer, il y a le télégramme, il y a le micro, il y a le speaker, il y a le satellite, il y a l'écriture, il y a le journal, il y a l'internet, il y a même pas même d'être à quoi on est au même. Pas même d'être à quoi, tellement il y a plusieurs moyens. Gentil Mounio, le rapport tout le monde est connu à plus chat dans le téléphone, dans le computer, dans la tablette, avec le monde entier. C'est-à-dire que nous, à l'aide de communication ça, ou bien de technologie, comment plus facile pour le monde rentrer en contact. Maintenant, nous voyons Chita sur le troisième point, quel est le rôle de la communication sur le plan spirituel. Nous avons dit qu'on est là, pour moi, c'est une question. Avant maintenant, le troisième point qui est important, quel est le rôle de la communication sur le plan spirituel. Bon Dieu bénisse. On nous parle de ton passé, parce que nous avons débattu le sujet qui est surchargé, qui ne va pas que nous avons assez de temps. Pour nous cacher dans le vrai sens. Et au même temps, si vous voulez saisir l'occasion, nous croyons qu'il y a pas mal de questions pour nous cacher les communications. Parce que là, c'est une question de affaire l'église qui a parlé là. On va travailler, on va parler. On va mettre madame, on va parler. On a l'air, on va parler. On va faire zé, on va parler. On a marqué, on va parler. C'est-à-dire que les communications, ils jouent un rôle important là. Si vous voulez poser des questions, on fait timidité, ça c'est au même niveau, parce que communication-là, pas au monde qui a vivre sans dialogue, pas au monde qui a vivre sans parler avec le monde, pas au monde qui a vivre sans pas raconter le monde, pas au monde qui a vivre sans pas au monde, on zé, on dépose à quelqu'un. On avance. Nous posons la question, quel est le rôle de la communication sur le plan spirituel? Communication, il joue un rôle très important dans l'évangile là. Parce que bon Dieu te communique, bon Dieu a parlé avec nous chaque jour par plusieurs moyens. Bon Dieu parlait
et nous-mêmes tout, nous parler avec mon Dieu chaque jour. Et si vous pouvez vivre, et nous-mêmes tout, vous entendez le dialogue entre mon Dieu avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais Genèse 3, verset 8 à 22. Bon, je ne vais pas lire tout verset à vous, non? La pièce écrite seulement. Dans Genèse 3, verset 8 à 22, vous pouvez mettre la première conversation, ou bien première dialogue, ou bien première communication, ou bien premier côté bon Dieu pour parler avec Adéa. En point 9 là, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Mais elle a demandé à Adéa, quand on y est, parce qu'il parlait. Nous, elle écrit dans la Bible, nous parlons du mot du mal, ça c'est l'écriture. Of course, l'écriture est seulement de communication. Là, c'est la voix de Dieu, même si on a indépendant, la voix du Seigneur m'appelle. Quand on communication entre bon Dieu avec l'homme. Ok? Ça veut dire que bon Dieu descend. Eh bien, gagner en communication tout entre l'homme avec mon Dieu. Ok? C'est-à-dire que communication, il n'y a pas tout fini. Même pas éducation. Vous avez la Bible, le silence, c'est un péché lié. Pour éducation, on ne va pas parler avant ou pas répondre. Ça, c'est un peu de fois. Madame a parlé. Demain, mon cher, dans le prochain, bien mauvais. Il y a pas de garçon plus mauvais passé. Pas de dialogue. Pas de conversation. Pas de relation d'où. Et nous disons tout, par exemple, dans 1 Samuel 3, côté bon Dieu, t'as parlé avec Samuel. Quand il y a encore assuré à nous poser une question, évangéliste. Comment bon Dieu parle avec nous dans le temps que nous sommes? Même nous parlons de nous pour tout. Sous ce chrétien, mon Dieu, papa l'avoir, bon ou pas marcher, dans ma chez nous. Hein. Parce que je m'en fouille la Bible. Ma bonne, dans le psaume 119, verset 9, côté mon Dieu a parlé avec moi-même ou bien avec vous, à travers la parole. Dans 2 Timothée 3, verset 16, bon Dieu a parlé avec moi-même, avec vous, à travers la parole. Mais continuez à fouiller la Bible toujours. Dans Romains 9, verset 1, bon Dieu a parlé avec moi à travers conscience humaine. Amen. À travers conscience. Ou comme il faut un bagage. Qui par bon, conscience ou après vos chiots après ça. Voilà. Dans Romains 9, verset 1, bon Dieu parlait avec moi à travers conscience. Moi. Ma continue toujours. Dans Acte 3, dans Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 22, bon Dieu a parlé avec moi à travers autorité spirituelle. Ah oui, nous toujours dit autorité aussi, c'est à faire, il y a B à faire, monde, ne pas la regarder, le salut est personnel, le trépas qui n'a jour là, avant, nous battons toutes ces têtes. Lorsque autorité spirituelle, bon Dieu mettait sous tête, nous a parlé avec nous, nous dit c'est à faire. Au coup d'œil, dans Acte 3, verset 22. Qu'on a là, continuez toujours. Partagez comment bon Dieu a parlé avec nous. Communication toujours. Dans Romains 14, verset 17, ma foi, bon Dieu a parlé à travers la paix intérieure. La paix. D'accord, sans la paix et la sanctification, personne ne va pas voir. C'est-à-dire que le monde qui fait trouble, mais que nous, qui partons maintenant tout ça, qui a fait trouble, qui nous cherche la paix tout en s'apprécier dans nous-mêmes. Je ne connais pas comment on rejoint la paix ça, parce que
Si vous parlez en paix, bon Dieu, vous parlez avec vous. Bon Dieu, vous parlez avec moi autour du monde qui va côté de vous. Dans Acte 2, verset 40. Bon Dieu, vous parlez avec moi. Avec un auteur, un frère, un pasteur, un évangéliste, un monde qui a un ministère de droit national. Il remarque, façon, frère Duval, Abdigla, là, si frère Duval continue à vivre comme ça, que tout doit lire, avec toute humilité, avec toute éducation, pour le dire moins, pour le dire évangéliste. Ils ont quand même continué à vivre. Parfois, pour les amas. Car son message que mon Dieu m'a le moment. Qu'on y a moi-même, c'est pas jouer pour me jouer, non. Puis ce Myriam, ou bien sûr Albert, ou bien sûr Laurent, et le bout de mon parole. C'est pas pour me jouer, non. Mais m'a questionné, vie, moi. Est-ce que vie, mon amour, est vrai avec mon Dieu? On a avancé. La paix, mon Dieu, avec vous. Avec vous. Et nous saluer conférencière et nous saluer auditoire à tout et cap côté et tous les amis cap côté de partout nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et nous avons une question pour conférencière qui c'est Évangéliste Duval. Évangéliste, puisque il a parlé de communication, même temps ou dit et le silence et c'est mon péché. Mais il y a une forme de communication qui est venue la communication non verbale et qui sont entendre par là. Les mêmes de communication qui est venue communication non verbale. Puisque on dit le silence sans péché, une forme de communication, une communication non verbale. Et même, est-ce qu'on a dit non de plus et sur ça? Bon, c'est une question par moi, et bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. La communication non verbale, n'est faite à travers des gestes. N'est faite à travers des gestes. Quand tu montes à lui-même, il ne va pas parler du tout avant. Parce que là, on qui bébé. L'homme, c'est que la affaire de vous, Aïssé Kandou, si maçon, l'homme n'a pas fait, l'homme n'a pas regardé pour les messieurs, il n'a pas la télévision, les grands, les mettons, on n'a pas fait des signes, et ça crée une communication non verbale. Pas de langage, pas de parole qui fait ça. Mais lorsque nous dit silence, c'est un péché lié, ça veut dire que nous sommes sentinelles. Ça veut dire que nous avons constaté que Frère Daniel a vécu dans une condition qui n'est pas agréable avec Dieu. Ou même, on fait silence sur ça. Et pas bien que pendant que vous constatez, ou bien vous voyez à l'œil nu, la façon que Frère Duval a vécu là, ou pas exhorter moi. Et si on m'a l'air de moi, bon Dieu, apprendons là-bas. Que n'y a pas du moins évangéliste. À la croix, Jésus qui fait silence. Of course! Mais il dit, il a posé la question, il dit, ou pas que c'est quoi? Il dit, non, mais tu le dis. Je vous vois pas que la capacité passe sur vous. Ou pas dire ça. Ou pas dire ça. N'importe mal écrivez moi. Ou est-ce que ça vous? Ou est-ce que ça vous? Je vais vous dire, c'est ça. Oui, il y a des communications non verbales. Parce que quand on était, on va comme la loi vous jouez 4-3-7. Loi vous jouez 4-3-7, pas parler de mon nom, c'est le gars, one amen, c'est le gars, last amen, c'est le gars, et dame, c'est le gars, 10 amen. Ce sont des gestes, oui, pas parler de mon nom. Et même loi vous jouez domino, si mon nom c'est la source pour pardon, il y a deux, mon nom garde entièrement. On connaît ça le jour, seul la valise. Bon Dieu bénisse. Bon, autre question encore? Ok. Alors, merci. Vous accueillez, vous connaissez, si vous avez deux mots, vous n'avez pas ajouté encore sur la conversation non verbale là. Parce que vous n'avez pas.
et ça nous t'a dit exactement les bons points qui ont fait avancer dans le domaine communication, puisqu'on parlait du point de vue et religieuse, et c'est très important. Ça veut dire lorsque nous refouons, nous qui veut dire ou bien on se qui n'a péché, nous pas arrêter sans nous pas arrêter dans les silences. Nous pas arrêter dans les silences pour nous pas dénoncer péché. Parce que la parole de Dieu dit si ton frère a péché, reprenne-le. Mm-hmm. Et pour reprendre nous, on va pas utiliser qui veut dire des communications, qui veut dire non verbales. Les termes, on va pas utiliser, on va pas citer simplement regarder mon nom en face. Les verbales, on va pas citer comme si on fait des gestes. Il faut capable les mon pour dire ça. Et nous, effectivement, vous dans le domaine communication non verbal là. Et nous venons très souvent, c'est dans le domaine du travail qui est souvent en d'autres termes, ou qu'on nous reparaît dans le magasin, et puis façon qu'il est dit, mon attiré ou mon capacité, mon nom, et nous avons des gestes qu'il fait avec colis. De façon qu'il est dit pour l'attirer ou même pour capable rentrer et dans dans magasin ça ou bien venir là pour capable venir dans office là moi accueille ça exemple dans domaine et il bon apparence qu'il bon il bon regard et vraiment qu'il bon il bon expression de visage et voilà nous et il y a gestes il y a des gestes qu'il fait il attire pour capable rentrer si ça chauvinage ou bien si son bagage au besoin, il bon regard. Et c'est exactement, nous parfaitement d'accord qu'il dit avec ça, parce qu'un chrétien lui-même, il n'a pas qu'à employer et thème ça lui-même, mais il doit parler. Est-ce que vous voyez, pour pousser l'autre monde à changer, vous voyez, à changer de route et à changer de position, à changer de comportement. Que bon Dieu bénisse. Ok. C'est le gentil, c'est n'a pas le sens normal, on a ensuite ou un FIA. Vous êtes capable de dire FIA ça. Et vous faire des gestes. Vous avez gardé FIA, vous avez pris. Et FIA tout. Il y a un profil du nom, la chèvre, la vie l'école, la prune école, la police qu'on fait, la suite, la suite, la garde en bas. Ce sont des gestes qu'on fait. Vous avez tiré, le souli. Nous sommes sous gal, on m'a fait souli. Bon, du bénéfice. On a passé. Gagné et bon Dieu parle avec nous tout à travers des songes. L'offre jour 33, verset 14 à 18. L'offre jour 23, verset 1er. Bon Dieu parle avec nous à travers des visions. Toujours dans jour 33, verset 14. Le nombre 12, verset 6. Et bon Dieu parle avec nous à travers des événements. L'offre 16, verset 26. Ok? Et bon Dieu parle avec nous à travers la nature. Parce qu'en regardant la nature, ou pas qu'à dire bon Dieu pas existé. Mais que santé il y a. Et nous avons plusieurs façons que bon Dieu parle avec nous. Qu'on y a ou parle, ou même étant l'homme, comment parler avec bon Dieu. Communication pour nous. Oui, quand on va le terrain là, sa communication, le monde fait même. Nous-mêmes étant l'homme, qui fait permettre que communication, ça que n'a pas les as là, si on communication tout à fait supérieure ou bien particulière, parce que raison pour laquelle nous sommes communication à parier, sont communication spécialisée, parce que source de communication, nous, c'est le Saint-Esprit. Oh, l'évangéliste, source de communication, moi, on va essayer la main, on va essayer la bouche, moi. On va se passer, moi, on va se réflexion, moi. On a le bouet à Samuel 23, verset 2, Dieu. Nous disons, l'esprit de l'éternel s'est exprimé par moi, ses paroles sont sur ma langue. Et l'homme descend de Bible dans Matthieu 10, verset 20, m'a écrit verset 1, dans Matthieu 10, verset 20, nous disons, en effet, ce n'est pas vous qui parlez. Ce sera l'esprit de votre père qui parlera par votre bouche
Ça veut dire que vous montrez où? Mais pas qu'on est comment chrétien fait des bien, vous voyez? Mais pas qu'on est comment chrétien de nous faire deux mots bien, on sait deux mots qui va gagner sens, la vie. Mais pas qu'on est côté chrétien barré avec on sait deux mots terrestre, la vie. Parce que parole qui t'a supposé dans le bouchon, c'est une parole qui a béni le monde entier. Parole qui t'a supposé sortir dans le bouchon, c'est une parole côté que bon Dieu t'a capable de plaisir la dernière. Parce que c'est pas de où même moi parler, parce que les deux vies à premier, verset 21, disons en effet, ce n'est pas pour une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est pour porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la voix de Dieu. Ça veut dire que vous montrez où que quel que soit chrétien qui a parlé, il a dit une parole. Même les gens qui ont parlé français, même les gens qui ont docteur à l'amener, on a le nom qui est plus gros collègue que j'ai passé, tout ce qu'a dit là vient de Dieu. Vient de Dieu. Ok? C'est-à-dire que moi-même, nous pouvons poser cette notion, bien, on engage terre à terre pour un chrétien guérin, je me demande côté le baravel. On a avancé. C'est-à-dire que nous, toute conversation, soit fin de conversation entre bon Dieu avec Samuel. Parce que Samuel 3, verset 10, on va entendre là, bon dialogue, émetteur et récepteur. Mais 1 Samuel 3, verset 10, l'Éternel veut se placer près de lui et il appelle là comme les autres fois, Samuel, Samuel. Plaît à Samuel, répondit. Celui-ci répondit, parle, ton serviteur écoute. C'est-à-dire que qu'on y a là, bon Dieu, le Samuel, Samuel parle du bon Dieu. Qui est ça? Il dit, vous m'avez parlé, m'attendez-vous. Deux mouns à l'eau, ce n'est pas une conversation non verbale. Non, c'est que je t'ai parlé. Et au même jour d'y a là, quand quelqu'un se commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quand quelqu'un passe à l'église, c'est au même qu'il l'église. Quand quelqu'un passe à vous à honorer le salut, ou qu'à parler avec mon Dieu à travers la prière, dans Matthieu 21, verset 22, ou qu'à parler avec mon Dieu par des cris, il y a des gens qui ne pas parler de vous, dans Psaume 34, verset 6. Ou qu'à parler avec cœur tout avec mon Dieu. Dans Psaume 27, verset 8 et 9. Ou qu'à parler par des psaumes. Dans Psaume 27, verset 4. Et ou qu'à parler tout par des chants. Moi-même, je vais me chanter. Ou je vais parler avec mon Dieu. Parce que des chants, on va parler, on va chanter. C'est un message de quoi il s'est rendu. C'est un point où on voit Dieu, on voit mon Dieu. Alors, donc, si je te donne le paquet, pas quittez-moi, oh bon sauve. Ça va, et voilà, alors, je me dis, mais qu'à quitter. Moi, je dis, on va t'envoyer la partie où il est. Son message, et voilà, par la belle, là, oui, machin. Côté, criez-moi. Là, c'est pas le par la belle, bon Dieu, à ta méchant, ça. Moi, je parle avec vous. Vous me dites, criez-moi. On me parle avec vous, vous m'attendez de moi. Il te dit, dis tout. Ok, on a la noix comment que nous-mêmes, mais pour parler avec mon Dieu, ah oui, vous avez la condition pour remplir, oui. Pour petit bon Dieu. Parce que c'est un bon Dieu. Est-ce que nous pouvons parler avec Baden? Ok, nous ne pouvons pas parler avec Baden. Quand nous allons passer. On me donne le numéro de téléphone Baden avant que nous venions. Je ne passe pas 27 minutes côté. Je vais venir. Je vous montre que nous-mêmes étant chrétiens, il va nous accès par la foi pour nous approcher bon côté de lundi à samedi pour nous faire prière d'intercession. Et nous-mêmes avons le pouvoir pour nous parler avec lui, nous faire des prières d'intercession pour nous prier pour l'autre, on a intercédé. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir, le honneur, le privilège. Nous étant disciples,
état chrétien, état petit bon Dieu. Mais, la paix de Radio 18, nous sur YouTube, nous avons posé des questions, nous n'avons pas fait ou rien, nous répétons qui posent des questions. Dernier point que nous parlons avec, la communication, un défi pour les croyants. Waouh! Quelle question, quelle pertinence! C'est qui ça, monsieur? Anthropologue le dit, monsieur psychologue le dit, monsieur sociologue le dit, et même si on fait croyant, on dit que communication sont défis pour croyants. Sur tous les points. Oh, un autre défi. Pour communication qui est à la base de toute relation, communication qui réunit le monde entier non blâmé, communication qui mettait en contact avec le monde entier, et puis pour qu'il y ait des hommes qui campaient, que qui sont défis pour nous lever. Ah non, pas de ça, comment, pas de ça. On a fait ça. On a regardé pour ça que je dis ça. Parce que les gars utilisaient l'homme-nous. Non, non. Je dis une communication sur un défi, ni dans l'église. Je dis une communication sur un défi, ni dans le foyer, avec des familles, madame Amouché. Je dis une communication sur un défi pour la société. Et je vais dire, yo investi l'argent sur un levé défi, ça y a payé. Donc, je dis, communication sur un défi pour nous, les chrétiens. À cause de l'amour, à cause de l'amour, elle avait dit le tout, je ne veux plus être une société. L'homme, ça, on tue un gars tout petit, qui place un bout de nous, même il est en train de dedans, il est plus dangereux que un missile. Il est plus dangereux que un missile. Et la vie, par mon dernier verset, je dis à la, qui va dire que nous réfléchis pour nous un long sac dans la bouche noire, nous ne pouvons pas avec lui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Ok? Il dit moi, la mort et la langue sont au pouvoir. Là, est-ce que moi-même, pour n'y a là, quand moi dis pour n'y a mon Dieu, moi, qui ça me dit lorsque je dis ça? Même après Jacques 3, verset 7 à 12. D'ailleurs, mais, vous me dites, petit temps là, comme pasteur, on est là, et pasteur lié, et n'est pas de l'église, il n'en a pas de la bagarre là, quand c'est mon ouvert Bible pour nous, mon Dieu venu en premier, lire pour moi, Mais j'ai toi, bon, moi, c'est moi, du temps, non? Mais avec un secret, j'ai dit, moi, il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vend de grandes choses. Ne suffit-il pas de petits feux pour incendier une vaste forêt? Et là, donc, t'as dit, ben, nous n'avons pas voulu l'idée. Nous ne savons pas, nous savons combien de forêts que l'homme de Dieu fait là-dedans dans l'église. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses, ne se fait-il pas de petit feu, petit du feu, oui, pour incendier une vaste forêt. Je dis à le feu, je crois que je suis là, au même moment dehors, en dans l'église. Je dis à lui, je suis pour combien de fois écrasé à travers l'amour. Je suis pour combien de monde société a. On fait un ennemi à travers nous. Mais nous là, il y a tout là. Mais nous là, l'homme aussi est un feu. C'est tout un monde de mal
contamine notre être entier, allumé au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Parce que le coup est à l'amour, il est aujourd'hui à là. C'est un chrétien. Est-ce que aujourd'hui à là, l'amour est pas le monde de l'église? Est-ce que l'amour est pas le monde de l'église dans le disciple? Est-ce que l'amour est pas le monde de l'église? C'est ça que nous dit, c'est ça que monsieur théologien, monsieur anthropologue, monsieur sociologue, nous sommes défis pour nous chrétiens. Quand on est probable, je vais dire que la vie était là, son défi, non? Parce que vous connaissez ce qui est aspiré. Jésus parle à vous, il menti. Je dis, ok, communication, mais en précise. Mais moi, fouillez bien. Si monsieur dit, son défi communication y est pour moi, c'est comme si je ne me suis pas sauvé. Je ne m'a pas arrivé, j'ai défi ça. On a avancé pour nous, bagaille. L'église, il dit, communication, c'est un défi. Il dit, division dans l'église. Pour qui ça, il y a division dans l'église là? Parce que nous ne pas maîtriser l'un de nous. Ça veut dire, obstacle de communication. Ça veut dire que obstacle de communication. C'est rien dans l'église là. C'est l'église qui est dans l'église qui cause monsieur dit ça. Il y a l'homme méchant. Il y a l'homme du père. Dans Job 20, verset 6, écrit au Nio, après Narel, le Madim, au Dembala, avec ça, dans l'homme méchant, l'homme de vipère. Dans Job 20, verset 6, l'homme hypocrite, dans Somme 5, verset 9, et donc, quand il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur grossier est de sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Et je dis, moi, bien, langue flatteuse, ah oui, on a dit, plein ça, depuis ce chef, tout qu'on a voulu, depuis ce pasteur, tout qu'on a flatté. La langue flatteuse. Dans Somme 12, verset 2 à 4, et maintenant, Proverbe 29, verset 5, il dit, un homme qui flatte son prochain, tant qu'un filet sous ses pas. Mais l'homme, il y a une langue fausse, il y a une faux langue. Et pas faux langue au pays, non, il y a une langue sérieux. Dans Somme 12, verset 3, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Dans Proverbe 26, verset 28, ok, il dit, mais la langue fausse, hein, ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la une. La langue hypocrite, dans Somme 62, verset 5, la langue mensongère, mon capitaine, Matthieu, dans Somme 109, verset 2, quand il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse, il ne parle avec une langue mensongère. Jérémie 9, verset 8, bon, l'homme qui est les calomnies et critiques, et nous savons pour être plus fort. Dans Proverbe 29, verset 19, et de celui qui répand, la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Je t'en aller. Bon, l'homme qui est les langues séductives, le roi Jean-Louis parle avec ton roi, de Ori. Ma belle, bon Dieu, de ce qu'il y a, dis-moi pour moi, ma voix. Je séduis. Vous voyez, dans Proverbe 7, verset 21, il dit, elle se séduisit à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Même dans l'évangile là, pourquoi on compte dans l'évangile là? Il y a une parole douce, puis on va où? Puis on va aller où? Puis on va le vieux du souvent 25 000 là, je dis là, bien maintenant 25 000 là, la caillou. La langue arrogante, dans Somme 12, verset 4. Ceux qui disent, nous sommes puissants pour notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? Et mon capitaine, le seul matin, oui, comme dans l'école, nous sommes forts. La langue perverse, dans Proverbe 17,
verset 4, le méchant est attentif à la lèvre inique et le menteur prêt à l'oreille, à la langue pernicieuse. Et la langue puissante, dans Jacques 3, verset 5. Ça dit que pour montrer, l'homme que monsieur le dit, c'est un défi. Le bas, nous n'avons pas qu'à lever communication dans l'église, dans la famille, dans la société. Et parce qu'on connaît la langue, nous, pas de bride, non, nous parlons de la tête. On avance pour eux. La famille, il y a un divorce. Pour qui ça? Il y a un divorce dans la famille. Parce que nous ne contrôlons pas nous. Ça y est, les obstacles de communication. C'est même l'homme, ça oui, qui n'a pas dans la famille. Là. Et bien, jusque la Bible, du moins, dans Proverbe 18, verset 22, qui trouve une épouse, trouve le bonheur. Mais dis mon belle finalement, la Bible dit son bonheur lié. Comment est-ce que divorcer? Mais à cause m'a parlé mal. Dans la société, pour qui ça? Société a déchiré une comme ça, surtout en Haïti. Parce que nous pas mesuré dans nous, nous voulons ça obstacle de communication. Nous disons, nous gardons comme un ministre, nous disons, c'est volé lié au Baden. Il va faire un et non, n'a pas l'air. Il vient voler. Nos discussions. Mais tandis que, si nous avons utilisé Proverbe 15, verset 1er, une réponse douce appelle la colère, mais une parole blessante excite l'imitation. Alors, mon frère, tu as bien aimé, nous va poser des questions. Nous, n'importe quoi, nous voulons écrire. Pour nous terminer, nous disons, communication, c'est le fondement de l'église. On n'est pas terminé pour lundi. Si pas de communication, pas qu'à gagner l'église. Nous disons, communication, c'est le point fort de la famille. Toujours on n'est pas terminé, parce que c'est les mêmes familles, on n'est pas de l'église. Nous disons, communication, c'est le pivot de la société. C'est pour la communication qui est à base de toute relation. Pour que ça nous-mêmes étant chrétiens, nous disons ça tout à l'heure là. Nous supposons bien une communication tout à fait particulière. Parce que au cours de la transmission, pendant que je parle à Verne, mon cap transmet message, il est le Saint-Esprit. Le travail là, quand moi, étant le communicateur, et notre travail qui a passé à Wilner étant auditoire, même les mêmes de parole qui n'est pas bon, parce que Wilner a dit, monsieur, tu vas le bon Dieu venir. C'est l'esprit qui travaille dans le nous. Même pas quoi, mon cas dit, pasteur Wilner, un mot. Et puis, vous dites, sortez-le. Non, regardez pas comme ça. Bon, et d'abord. Tu vas dire, moi, ça coule, il y a un crédit de téléphone. On t'a dit, soyez là, non, non, mais t'as nous. Et c'est comme dit, communication chrétienne, il suppose un bagage tout à fait particulier, il suppose un bagage à part, parce que au cours de la transmission, au cours de conversation, au cours de dialogue, là, c'est de celui-là. C'est de celui-là. Ok. Bonjour, nous attendions avec beaucoup d'attention. Et côté où on se doit parler de langue, et qui ça langue la café, qui avait dit langue la ou l'important, et avait dit la communication et la relation. Mais nous lisons dans le proverbe là, dans le proverbe chapitre 15, verset 4. Il dit, par la langue, nous pouvons accorder la vie aux gens ou briser leur âme. Dans ce terme, il est capable de dire des définitions qui opposent nous-mêmes les chrétiens qui attitude, qui veut dire nous devons emprunter. C'est-à-dire, mais qu'on est qui attitude, nous les chrétiens, nous devons emprunter pour établir une bonne communication. Bon Dieu bénisse. Ok. Bon Dieu bénisse. Parce qu'il y a deux langues.
parle en français et en anglais, non? La langue juste, dans Proverbe 16, verset 13, les deux l'élève juste gardent la faveur des rois. Et il aime celui qui parle avec droiture. Ah, mais il y a un bon homme dans ce roulet. La langue qui apporte la guérison, dans Proverbe 12, verset 18, les deux tels qui parlent légèrement, blessent comme un grève, mais la langue des sages apporte la guérison. Dès la langue bienfaisante, dans Proverbe 16, verset 24, les paroles agréables sont au rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Dès la langue sage intelligente, Proverbe 16, verset 28, ne nous l'efface même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et bien, dans une douce langue, Proverbe 25, verset 15. Par la lenteur à la colère, on réfléchit un prince et une langue douce pour briser des os. Cela veut dire que façon pour nous parler, pour nous faire une langue, ça y est, je pense que vous n'êtes pas là, nous supposons utiliser humilité, nous supposons utiliser respect, nous supposons utiliser le pardon, nous supposons utiliser le mot crédibilité. Nous supposons utiliser le mot obéissance et nous supposons utiliser le mot amour. Donc, vous avez une unité, vous avez un pardon, vous avez un crédit, vous avez un crédit, vous avez une obéissance, vous avez un amour, c'est l'angle ça. Vous avez un passé où il est. C'est l'angle ça. C'est ça que j'ai dit oui. Pour ne pas écouter, l'un a parlé. Vous avez une unité. Là, on a dit un mot. Qui a blessé, bon Dieu béni, et pour Béli. C'est un mot, oui. Pour utiliser le pasteur, pour qu'il gagne, pour qu'il utilise la liste de l'Ansao, nous ne sommes pas où. Même de douceur. Tout qui est collé, orgueil, arrogant, se croit, nous trouvons pour terre. Il faut qu'il gagne l'Ansao, humilité. Qu'on ait respect. Ou gagner, si moun pas respecter maman, madame pas respecter mari, mari pas respecter madame, n'est pas de salle de l'île, l'île n'est pas de salle de l'île. Nous faisons bagage aujourd'hui à l'âge pour pardon, c'est pas pour moi. Moun n'en dit l'état dans le market, ou pas faire crédit, ou dit menti, et qu'à soi, ben, il est allé. Moun n'a pas la voix, on est pour obéir, comme le Jean dit, pour fier, obéir devant. Maria, il monte plus haut parce que mon nom est en tort. Souvent, il y a l'amour. Je ne vais pas donner un tel. Quand il y a l'amour, il y a nous-mêmes chrétiens qui sont condamnés pour nous vivre ensemble. On utilise le mot ça. Pour nous avoir une très bonne communication entre nous-mêmes. Parce que lorsque Somme 103 dit nous, dans le verset 1er, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable. Pour les frères se trouvent ensemble. Mais si vous avez une communication, ou habitation, ça n'est pas possible, non? Son communication de dialogue, oui. L'homme patin de Salomon, Samuel et lui. Mais, pour voir que des gens qui ont parlé, bien entendu, pour que nous avons parlé de ça, et pour le bouillon, pour Dieu bénir. Nous avons un chimélier. Dans le présence, il faut qu'on goûte. Cet esprit-là, il faut qu'on dompte, ou il faut qu'on repentit, mais toujours à esprit sauvage-là. Parce que, il y a des gens qui ont besoin de mon fils, des carrés sont cassés avec des petites paroles douces. Chérie, toi que mon cœur a bien depuis longtemps. Même si vous avez fouillé, vous le quand même. Là-bas, vous le quand même. Et même si à tout, les deux petits bagailles, les deux petits péchés en amour, ils voient des petites paroles douces, tout. C'est là le problème. Tout ça parce qu'on est de nous là, c'est un chrétien. On a utilisé le mot ça, immunité, respect, pardon, crédibilité, obéissance et amour. Et à partir de là, je vous assure que depuis ça, que monsieur dit, nous les chrétiens, ou bien nous les croyants, ou bien nous les élus,
nous qui sommes sauvés, nous allons lever là, je vous assure, nous allons lever là et nous allons plus loin. Que bon Dieu bénisse nous. Ok? Nous espérons que vous êtes bien et noter quelques versets ou bien vous êtes capable. Retenez, on sait deux mots. Vendredi prochain, deuxième sujet, nous, c'est la communion fraternelle, parce que depuis la communication, il y a une relation serrée. Il y a une communion fraternelle. Il y a une vie cachée. Il y a une vie serrée. Et elle a la géodie pour passer ici. Non, ouais. Ça fait de communion fraternelle là. Avant nous dire. Parce que vous l'avez, vous capriez pour nous terminer. Je vous bénis. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, c'est vous-même seul que vous avez bon Dieu. Nous vous remercions à soi, Seigneur, nous bénissons. Nous c'est des beaux noms, Seigneur. Nous exaltons, nous louons, non, Seigneur. Et nous remercions, Seigneur Dieu, pour la provision que tu fais pour nous. Et à travers ces vidéos, Seigneur Dieu, évangéliste Duval. Nous bénissons, nous. Et nous croyons que tout le monde qui est là, alléluia, puis bénéficier de nourriture ça, et manger une bonne nourriture. Et pour nous connaître, et que la communication, c'est un bagage qui est important, Seigneur, de faire nous connaître la communication, c'est un bagage qui est important. Dans tout domaine de notre vie, dans la vie et courante, dans le travail là, dans la maison, quand on était dans le foyer, dans l'église là, et tout côté, ici à travers la communication, ça, pour nous faire la transmission de l'évangile. Oh, merveilleux Seigneur, quel sauveur merveilleux je possède. Oui, nous possédons un sauveur qui est merveilleux, et il connaît comment pour lui nourrir nous. Pour nourrir l'esprit, nous, pour nourrir l'âme. Et nous disons, bon Dieu, merci. Seigneur, merci pour ces vidéos. Nous demandons au Père, on va utiliser encore davantage. Et nous disons merci pour quatrième jour, Seigneur Dieu, séminaire. Et nous demandons au Père, on va continuer à utiliser, et tel que moi-même et d'autres serviteurs, parce que Alphonse, on va continuer à utiliser. Nous bénissons à cela. Nous bénissons pour tout auditeur, auditrice. Et tout est là qui t'a perdu, oui, ça et ça. Mais te mettre ta, Seigneur Dieu, qui est capable de prendre la cœur. Et pour nous connaître, t'as l'air qui dit qu'on a permis ta, qui mette distance entre eux-mêmes avec votre monde. Mais qui à travers ce minet ça, et à travers le message qui relie la communication, hein, comme comment pour entreprendre la communication dans le foyer. Comment gamoun pour gamoun parler à timoun, comment timoun parler avec gamoun. Et comment on est capable de parler à Zamion et pour nous entreprendre de bonnes relations et pour bien la paix entre nous-mêmes. Nous bénissons à soi, nous vous remercions. Merci Seigneur pour provision ça. Et nous-mêmes qui prions, Seigneur, nous avons une qualité même qui est bon, qui dit mais nous prions dans le précieux nom et dans le nom comparable de Jésus. À lui seul soit l'honneur, la force, la gloire, la toute puissance, la magnificence, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix, bon Dieu, capable de couvrir vous. Et aller en paix, que bon Dieu bénisse. Thank you.